On a eu une première mobilisation le 3 juillet, une mobilisation massive qui a été suivie au niveau national, et cela a permis à la DSJ de comprendre, la DSJ c'est le ministère, de comprendre qu'il y avait un profond mal-être, et ils ont accepté d'entrer en négociation. Il y a déjà eu deux réunions qui malheureusement n'ont pas abouti à ce que nous on attend, donc aujourd'hui on est là mobilisés pour que les choses puissent évoluer lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 27 septembre et afin qu'il y ait un accord qui soit conclu le 4 octobre. Pression ? C'est ça, tout à fait. On veut leur montrer qu'on est mobilisés, unis et qu'on ne va rien lâcher. Quand on écoute votre texte, on a l'impression que vous êtes l'enfant pauvre du corps judiciaire. C'est tout à fait ça. Dans la justice, lorsqu'on présente les métiers du droit, rarement le métier de greffier est mis en avant. Pourtant, le greffier, c'est vraiment la pierre angulaire de la procédure judiciaire. Sans greffier, il n'y a pas de justice. C'est nous qui authentifions les actes, donc on est vraiment nécessaire au bon déroulement de la justice. Stop à cette pression et ce manque cruel de considération pour lesquels certains de nos collègues sont allés jusqu'au sacrifice ultime, ne supportant plus les conditions de travail et l'absence totale de reconnaissance. Aujourd'hui, on nous propose une cinquantaine d'euros d'augmentation par mois. Mais que fait-on aujourd'hui avec 50 euros? Pas grand-chose. Nous prenons des permanences le week-end. Pour l'école, nous sommes rétribués à hauteur de 50 euros par jour. La DSJ nous fait grâce et nous sommes également rétribués des heures effectuées. Encore une fois, des clopinettes. La rémunération d'un greffier est en deçà des autres corps de catégorie B. Nous sommes des B+, nous a-t-on dit. Monsieur le ministre, B+ est un groupe sanguin et pas une catégorie de la fonction publique.